Et on retrouve Jean-Marc Carléo, le directeur de l'espace Kérodi à Plougonvin dans le Finistère. Alors il y a un instant, nous étions avec la troupe de Taïwan, mais d'autres pays sont invités durant ces 3 jours de fête. Dites-nous en plus. Oui, tout à fait. Donc bon, c'est la 9e année qu'on accueille cet événement. Donc c'est un partenariat avec le Mondial Folk de Plozévet. Et on profite du fait qu'il y ait des groupes étrangers à Plozévet pour les faire venir jusqu'à Plougonvin. Donc on aura l'Arménie demain. Et puis on terminera vendredi par un groupe du Guatemala. Pourquoi ces 3 pays? C'est vous qui avez choisi dans la proposition du Mondial Folk? Enfin, disons qu'il y a toujours un échange, une discussion. On est vraiment dans une logique de partenariat. On sait bien qu'il y a certains pays qui attirent plus que d'autres. Et puis, bon, ça dépend aussi des possibilités du Mondial Folk, de la programmation qui est faite. Donc, on est dans l'échange et la discussion. Est-ce que le public est toujours réceptif à ces propositions folkloriques venues du monde entier? Alors c'est vraiment un public un peu particulier que l'on a sur cet événement. C'est pas forcément des gens qui viennent durant l'année à l'espace Kérodi, mais ils viennent spécifiquement découvrir justement ces groupes et ces ensembles traditionnels. Et c'est un public qui est fidèle maintenant depuis 9 ans. Alors c'est toujours beaucoup de monde quand ces compagnies se déplacent. Là on le voit sur scène derrière nous, la compagnie taïwanienne, c'est beaucoup de monde. Ça demande de l'organisation pour une salle comme ici à Plougonvelin. Oui, mais en même temps, bon, c'est quand même l'organisation la plus grande partie est faite par le Mondial Folk, hein, puisque c'est eux qui gèrent les transports et l'hébergement. Et nous, finalement, on les accueille le jour du spectacle, et c'est plus une organisation de spectacle comme on fait habituellement. Donc c'est relativement léger. Qu'est-ce qui vous étonne, vous, en tant que directeur de salle, vous voyez des spectacles toute l'année, quand vous recevez ces spectacles qui viennent du monde entier, ces folklores, qu'est-ce qui vous étonne, vous? Alors, c'est pas un étonnement, c'est surtout un échange que l'on a avec les groupes où habituellement on est dans un rapport professionnel avec une compagnie ou avec des chanteurs, des musiciens. Et là, ils viennent vraiment pour nous faire découvrir leur culture, et c'est plus un échange, un partage, et on a toujours du plaisir avec eux. Alors un échange, un partage, est-ce que ça va dans l'autre sens? Est-ce que les troupes qui viennent ont le plaisir et le temps de découvrir un peu la Bretagne? Là on est à Plougonvelin dans le Finistère, près de la mer. Est-ce qu'elles ont le temps de découvrir tout ça? Oui, un petit peu. Alors donc elles viennent à Plougonvelin, mais elles viennent également dans d'autres villes du Finistère. Elles vont à Morlaix, à l'Opérette également. Je sais que le groupe arménien va aller sur l'Opérette. Donc finalement ils sont présents sur une durée d'une semaine sur le département, et ils ont donc la possibilité de découvrir un petit peu la région. Merci beaucoup Jean-Marc Carléo d'avoir répondu à nos questions. Le festival Festidance, c'est jusqu'à vendredi à l'espace Kérodi à Plougonvelin. Toutes les informations sur le site de l'espace Kérodi.